Le service propreté de la mairie de Moulins s'est donc adapté suite à l'arrivée du coronavirus sur la commune, à faire de la désinfection et du lavage sur l'ensemble de la commune. A savoir que dans un premier temps, nous avons gardé les plannings au minima du service propreté sur la propreté urbaine qui est fait chaque jour. Et dans un deuxième temps, nous avons planifié avec un minimum d'agents de pouvoir faire du lavage ainsi que de la désinfection. Pour la partie lavage et désinfection, donc, nous intervenons en priorité sur des axes qui sont dans un premier temps le centre Covid à la salle des fêtes, dans un deuxième temps le parvis de l'hôpital de Moulins, à savoir que les écoles, 2-3 écoles sur Moulins aussi, où nous intervenons pour de la désinfection sur le mobilier urbain. La partie désinfection, notre priorité est de traiter toutes les parties qui sont sur le domaine public, mobilier urbain, donc les barrières, les potelés, les rampes d'accès au niveau des escaliers, aux abords des magasins, ainsi que tout ce qui est corbeille, tout ou net, désinfection complète de tout le mobilier urbain. Ce produit est bactéricide et virucide, donc il va vraiment intervenir sur le virus que nous sommes en train de traiter actuellement. Ce produit il est non chloré, donc ce qui est important aussi pour tout ce qui est traitement de la voie publique. Il sera non corrosif pour le mobilier urbain et surtout il sera pas nocif aussi bien pour le public qui va nous creuser en intervention ou pour mes agents qui l'utilisent tous les jours. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.